Bonjour. J'ai rendez-vous à 8h20 pour une prise de sang. Vous savez, c'est la prise de sang, je l'ai prise il y a 2-3 semaines. C'est entre guillemets obligatoire quand tu commences la pilule pour faire un petit bilan au bout de 3 mois, contrôler notamment le cholestérol. Lui, il est en train de pleurer parce que je lui ai donné la moitié de la dose parce que je sais qu'en revenant, il va me réclamer. Donc j'y vais, je file et je vous reprends tout à l'heure. C'est la coiffure. Vite fait, vite fait. Le gars qui m'a piqué, je pense qu'il a senti que j'étais un peu stressée. Résultat, il m'a vraiment pas fait mal. Très rapide, nickel. Le problème, c'est que je pensais que la pharmacie allait être ouverte, mais non, il est 8h30, c'est au 9h. Ça m'empêche pas d'aller chercher mes petits croissants. Pour chocolat, par contre, ça caille, il doit faire un petit 14 là. J'avais que ma carte bleue, donc ça prend 5 euros. Bah, j'étais obligée de prendre une ficelle parce que ça faisait pas 5 euros. Il est 8h50, je crois qu'il est grand temps que je déjeune. Ah non. Descends. Allez, le livre là. Vous voulez connaître l'histoire, enfin pas l'histoire du livre, ce qui s'est passé. Un matin, il y a 2 jours, Eric est allé à Inter faire des petites courses comme ça d'appoint. Et il a voulu me faire plaisir, m'acheter un livre parce qu'il sait que je lis beaucoup. Le truc, c'est que je déteste qu'on m'achète des livres. J'aime choisir mes propres livres, je trouve que c'est un rendez-vous le soir, bref. Et d'autant plus, il m'a pris celui-ci, Michael Connelly. C'est un petit peu, vous savez, je vous avais dit, la série Bosch. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait gaffe. C'est l'histoire, enfin c'est une des histoires, donc je connais absolument. En plus c'est un thriller, donc quand tu connais la fin, bof. Et je lui dis bah non en fait, et il était un peu déçu, mais c'est pas grave, j'en choisirai un autre. Va t'asseoir. Allez, c'est là ton siège le matin. Eric est parti au lycée évidemment. S'il te plaît. Non mais je suis pas en train de te faire des caresses là. Là. Un peu changé de coiffure, parce que le but quand même de les avoir coupés, c'était de les laisser au carré. Et là j'aime assez la longueur. Je vous explique le programme. J'ai envie de faire une vidéo face cam look pour la rentrée à pas cher. Donc, je vais aller dans les enseignes Kiabi, Gémeaux. C'est vrai qu'à chaque fois, tu trouves des trucs très, très sympas. Tu peux te composer des tenues bien. Il est 11h20. Je pense que c'est l'heure sympa. Et en rentrant, soit je tournerai, soit de toute façon, vous aurez la vidéo très certainement demain. Une vidéo où je vous présenterai les looks. Ça ne sera pas dans un vlog. Et j'attendais aussi un colis qui n'a pas l'air de venir. Bon, c'est pas grave, je vais pas attendre jusqu'à midi, donc je vais perdre du temps. On va commencer par Kiabi, parce que c'est la mode à petit prix. Bonjour. Oh, il n'y a pas de musique, c'est bien ça. Je suis en déprime, les amis. J'ai essayé plein de trucs. Il n'y a pas grand-chose qui me va. J'ai trouvé 2 petits articles, mais j'ai essayé des fringues. Vous savez le truc, quand tu essaies, puis que tu te rends compte que t'as vachement pris. Enfin, j'ai pris au niveau des fesses. Ça, c'est toutes les glaces que je me suis enfilées en juin, en juillet. Ben voilà, je le paye. Et parce qu'on a les... Vous savez, quand on est dans les vestiaires, on a la glace devant et qui te montre derrière. Je ne vais pas rester sur un échec, je vais aller à côté chez Gémeaux. Peut-être que mes fesses sont moins... Je sais plus si je vous avais... Ah bah j'étais à Gémeaux, j'ai trouvé 2-3 petites choses. Bon. Je pourrais quand même faire mon haul. Regardez, je suis passée comme ça à côté de Leclerc. Le latte macchiato caramel que je voulais goûter depuis un moment. Et pour ce midi, bah salade comme ça. J'enlève les lardons, j'aime pas les lardons. Et encore moins le bacon, là, comme ça cru. Arrête! Je fais chauffer le four aussi pour aller avec. Je vais faire la petite tartine gourmande. Bah oui, il faut bien entretenir son fessier. C'était ça la tartine gourmande. Bah, c'est du chef, tomate, hein, tout simplement. Tu fais des petits bouts. À l'apéro, c'est sympa aussi, ça. Je viens de terminer le tournage. Le haul lookbook. Putain, mes lunettes, elles sont pas terribles. Je pourrais pas le mettre hier pour vous. Hein, c'est pas possible. Il doit être presque 4 heures. S'il pourrait être en ligne à 6 heures, non, je veux faire quand même un montage qui tienne la route. Et ben, je suis contente. Oh, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ouais, ce que j'ai pris, c'est pas... Bah, c'est top. Enfin, c'est top. J'ai des petits looks vraiment très sympas. Je vais éteindre. Hop. On éteint, hop, voilà, oula, ouais, faut que je range aussi ma chambre, ouais, faut que je range ma chambre aussi, ça je vais le ranger, c'était pour accessoiriser 2-3 petits trucs. Je suis sur le montage depuis tout à l'heure, il est 19h10 là je crois. Vous savez quoi pour changer? Je suis barbouillée. Et parce que j'ai pris un... Je vous l'ai dit ou pas? Je me suis fait le macchiato caramel, Dolce Gusto là, grande tasse, moi qui était le 14h30. Ouais, barbouille. Ça va pas être pour moi. Je pense qu'Eric, lui, il va bien aimer, mais moi, pas du tout. Je vais en rester. Je voulais tester, donc je vais en rester à mes cafés classiques. Petit déj, ça ira très bien.
Ouais, donc je vous disais, je vais arrêter. Je pense que je vais commencer à préparer à manger. Oh non, je vous suis, je l'avais pas vu encore. Comment voulez-vous que je ne craque pas? Qu'est-ce que t'es mignon, mon bébé chat. Mais qu'est-ce que t'es beau garçon. Puis tu es sage. Tu es très, 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 très sage. Ah, oh, je baille à la digestion. Je crois que je l'ai laissé là, mon macchiato, en plus. Je me le suis bu ici, dans le petit salon de tournage. C'est bizarre, là. Comment c'est? C'est en 08, attendez. Je vais mettre l'image normale, non? Hop. Ah, descends pas, toi, mon toto. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah non. Ah, non, toujours pas. Ah bah, je vais vous donner envie de vomir aussi. Voilà, je partage. Je suis généreuse. Et bah voilà, je suis sur 1. Je vais descendre ça. Alors, ce soir, j'ai aucune motivation. Je vous dis, je crois que le fait d'être parmi comme ça, là, avec des spaghettis, je vais faire un peu d'échalote. Ça, c'était le coulis tomate. Ouais, ça peut être cool. Un peu de dinde, je vais faire revenir. Fromage, comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Et bien sûr, Jack est là. Il s'est fait gronder. Ben oui, il s'est fait gronder parce qu'il monte là. Donc non, on a dit c'est fini les mauvaises habitudes. C'est la rentrée, maintenant on se tient bien. Petit côté Blair Witch. C'était très très bon, ces petites pâtes improvisées, on va dire. Comme je suis chaos technique de chez chaos technique, j'ai pas tout compris. On va se mater un épisode. Je crois qu'il n'y en aura pas deux tellement. Voilà, ça va durer 40 minutes. En ce moment, on est sûr. Oh merde, je sais pas le nom. Oh ah bah, je pensais que t'allais dire, bah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que t'en gis, je voulais pas te déranger. Oh, t'es trop mignon, comment ça a été? Ta petite rentrée, il y a longtemps que t'as pas parlé? Non. Il est fatigué. On est tous explosés. Ouais, t'es naze là. Oui. Et alors, le fait de... Ça les intéresse, je suis sûre. Le port du masque. C'est intenable. C'est intenable. Mais je le fais parce que... C'est la loi. C'est la loi. Non, mais c'est intenable pour tout le monde, je pense, vraiment. Alors, oui. Enfin, je... Il mange une glace, c'est pour ça qu'il est pas très haut, qu'il est pas très audible. Tu m'as même pas attendu pour la glace. Non. Parce que je me dis que ça m'aurait fait digérer, tu sais, que le café... je passe du coca, c'était intéressant. T'as des choses à dire par rapport à cette rentrée quand même un petit peu particulière, hein? Je pense qu'elle est historique. On n'a jamais eu de rentrée comme ça. Non. Non? Non, il est capoté, chaos technique. Non, mais je parle pas parce que... Il y a des gens qui font ça tous les jours depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Et simplement que, non, maintenant que j'ai mesuré la difficulté de le faire, je suis épaté que les gens le fassent aussi bien. Et franchement, je suis assez admiratif des gens qui sont obligés de le porter toute la journée et qui se plaignent pas. T'es pas un peu démago sur ce coup-là? Non. Non, non, je parle sérieusement. C'est vrai. Il faut savoir. Ah, bah oui, bah depuis le début, on le dit. Non, parce que moi, j'ai toujours été privilégié, là. J'avoue. Donc, non, je reconnais. Mais par contre, par exemple, je sais que tu as une journée dans la semaine où tu vas enchaîner 8 heures de cours. Mmh. Ouais, ça va être chaud. Moi, c'est les internes. C'est cette question, il faudra que je m'en renseigne. Ça m'intrigue. Les internes, les lycéens, par exemple. C'est-à-dire que dès le lever, 7h30, tu portes ton masque. Jusqu'au... Mais non, mais très sérieusement. Non, mais c'est impossible pour vous. C'est impossible. Vous vous rendez compte, vous vous levez à 7h30? Bah oui, puisque vous vivez en communauté. C'est des chambres de minimum 4 personnes, donc tu peux pas ne pas le mettre non plus. Mais en même temps, c'est impossible C'est impossible, les pauvres. Les pauvres. Bref, là, c'est pire en pire, la luminosité. Je vous laisse et on se retrouve demain pour la suite. Demain, je vais chercher mes petits résultats, d'ailleurs. Je vous embrasse. Merci de me regarder jusqu'au bout. Oh, c'est pire en pire, on voit que dalle. Salut.